Et série Pasteur Paul, moi j'ai une question. N'invitez vous abonner, remet et partager vidéo nous pour aider un homme pour Jésus. Si vous avez une question, quittez-le en bas dans commentaire. N'a content aider ou jouer une réponse qui basée sur la Bible, la parole de Dieu. Pasteur Paul, moi j'ai une question. Moi crois Jésus-Christ c'est sauveur. Et pas gain aucun problème avec monde qui croit que Jésus c'est seulement un grand prophète ou bien un éminent professeur, ou enseignant. Qui ça vous pensez? Merci beaucoup pour belle question ça. Donc avant tout, j'en ai toujours fait, n'a faut qu'on est que pasteur Paul pas un théosophe. Ça veut dire nous pas posséder la maîtrise de Dieu, ni nous pas prétendre nous gain réponse pour toute question. Cependant, nous croyons que avec la grâce de Dieu et avec les yeux de la foi, cet esprit a fait lumière jaillir. Vous comprenez, puisque vous connaissez que Jésus-Christ c'est sauveur, vous n'avez pas droit d'entrer dans la discussion avec les gens qui croient que Jésus c'est seulement un prophète ou bien un professeur ou un éminent enseignant. Cependant, m'a fait remarquer que si une doctrine ou bien si une religion est enseignée que Jésus-Christ est seulement un grand prophète, un éminent enseignant, et puis religion ça a nié que Jésus-Christ c'est le Dieu incarné, eh bien, doctrine ça a nié l'élément qui est plus essentiel, qui a plus valeur pour salut, pour sauver l'humanité, qui c'est le sang de Jésus. Donc, nier tout, efficacité, la mort de Jésus, et pour expier péché l'humanité. Pour qui ça? Parce que si Jésus-Christ c'est seulement un simple homme mortel, il n'a pas de pouvoir pour porter péché le monde dans colli sous la croix. Pas de la vie aucun homme mortel qui suffit pour ta payer prix péché et racheter la vie le monde. Donc c'est Dieu lui-même qui a capacité ça pour payer prix complet pour racheter le monde. Donc mais qui ça la Bible dit dans Jean chapitre 1er verset 14, maintenant d'ouvrir Bible avec moi dans Jean chapitre 1er verset 14. La Bible dit et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et dans Philippiens chapitre 2 verset 6, pour venir au verset 11, la Bible dit, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Donc, Jésus-Christ c'est le Dieu, par rapport à verset ça, on lit là-haut, Jésus-Christ c'est le Dieu incarné, lui supérieur à un simple prophète. C'est ça qui fait, sans efficace et sans gain valeur pour réparer, pour expier péché et sauver l'humanité. M'espère ça t'a aidé. Amen, amen. Merci Pasteur Paul, nous on t'est vraiment édifié. Zamim, si vous faites découvrir Chanel ça, nous invitez au presser bouton en bas, abonner, remet, commenter, partager vidéo ça pour plus nam ka béni. Pas oublier Jésus-Christ remet en pile et l'app tourner bientôt. S'il vous plaît, invitez Jésus venir dans la vie ou si vous pouvez faire ça. Juste répéter coup de prière ça après nous. Seigneur Jésus, moi reconnais moi c'est un pécheur. Moi crois ou t'es mort pour moi. Moi remets tout la vie. T'en prie, viens dans cœur et sauver. T'en prie, viens dans cœur et sauver. Que bon Dieu bénisse.